Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Euro Truck Simulator 2 sur la carrière suivie sans triche. Comme vous pouvez le voir, tout ça avec le camion. Voilà, là on va faire un Londres Larizza. Alors, ou alors je sais plus si j'avais déjà posté la vidéo. Non, je pense pas que j'ai déjà posté la vidéo de ça. Je sais plus exactement. Bref. Ah bien sûr, plus de marche arrière sur la boîte de vitesse. Je suis obligé de configurer un bouton. Ah bah il est déjà fatigué lui. Ah attendez, on va le mettre. Attendez. Est-ce que... Voilà, on va faire la coupure maintenant. Ça, voilà. Alors. Tac, tac, tac. Il est dur. Ah, d'accord. Bon. Hop. Hop. C'est ça, comme ça. Ah, attendez, je regarde si... Ouais, si c'est bon. On va chercher là, c'est bien. Ah oui, attendez, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre de la musique. Alors, on va le mettre au niveau 3. Ou alors, attendez, on va dire commencer par ça. Alors, on va remonter encore un peu le son. Attendez, on descend. Audio. Voilà. Comme vous pouvez donc le voir, je ne triche pas, je roule à 90. Voilà. Là, par contre, voilà. Ça, vous voyez exactement à combien que je roule. Oh, la deuxième. Voilà, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas le pied appuyé et appuyé sur l'accélérateur. Non, bah oui, j'ai pas mis de klaxon. Hop, puis de mettre le petit rétro. Alors bien sûr, j'ai roulé hors vidéo, voilà. C'est pour ça que vous avez vu que j'avais beaucoup d'XP. Et surtout beaucoup de kilomètres. Et surtout beaucoup d'argent que vous pouvez voir en bas à droite. Attendez, pourquoi je suis en... Pourquoi je suis en infraction? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est con comme bordel ou quoi là? Voilà, on va peut-être éteindre les pleins phares pour l'instant. Hein. Thank you.
Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine de vous demander de vous envoyer les modes. J'ai le camion plus la map. Vous cherchez, comme tout le monde, vous cherchez sur internet, sur Google, et Google est votre ami. Voilà. Parce que moi, j'ai cherché, je ne me suis pas embêté, j'ai pas demandé aux personnes, quoi. J'ai cherché moi-même. Alors, si vous êtes intelligent, vous trouverez. Mais ma faute si vous n'êtes pas intelligent. En fait, j'ai juste fermé ma tablette. Alors, par contre, là, on va les remettre. Alors, oui, combien de kilomètres encore? Ouais, vous avez vu combien de kilomètres il nous reste? Il nous reste beaucoup de kilomètres à faire. Bah, le TGV qui passe. Alors, mais bon, il n'y a pas de voiture, on peut doubler. Comment on lui a pas fait le choc. Alors si je dis rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal, parce que de temps en temps, je me concentre sur la conduite du camion. Alors par contre, vu que la... Oh, pour l'instant, il n'y a pas vu, j'étais éteint déjà. Voilà, pour me dire si ça vous plaît, comme thème, si je parle, admettons... de la vie, on va dire, des accidents qu'il y a eu dans la vie réelle, voilà. Vu que je suis abonné à un journal via Facebook, à la gare, je vous lirai les articles que je trouve intéressants pour lire dans la chronique du routier. La chronique du... Oh là là, je suis pas galaxie, vous m'excuserez d'ailleurs. Sur mes carrières privées sur ETS 2. Voilà. Là j'ai fait je me suis pris, voilà, hein, comme Galax, mais je suis pas Galax ni voilà. Je me suis trempé dans... Je me suis embrouillé, on va dire. Alors j'espère quand même que vous arrivez à m'entendre quand même. J'espère que j'ai pas coupé le son du micro. Hop, voilà, là, je m'en doutais qu'il était quelque part le micro. Et je vais regarder, voir si ça a fonctionné correctement. Ou alors j'attends... Ben, je vais plutôt attendre la prochaine coupure. Ouais, la prochaine pause, on va dire, dans 8 heures. Alors, je sais que c'est embêtant de rouler à 90. Mais je vous avais dit, non, cette carrière-là,
Je fais comme dans la vie réelle, je roule à 90, je fais les pauses. Normalement, c'est toutes les 4 heures, mais là, vu que c'est toutes les 8 heures, on fera une pause dans 8 heures. Et c'est 10 heures, je crois, 10, 11 heures de conduite. Alors. Bon, bien sûr, je ferai le plein, vu que là, il me reste encore 4 000 km avant de tomber en panne d'essence. Il nous reste un peu plus de 1 500 km à faire. On va voir si c'est ça. Ouais, vous voyez. Hop, voilà. Plus de 1 600 km, plus de 1 500 km à faire encore. Et ça fait déjà 10 minutes. Alors, tant que je suis con, je peux aller sur 12e en fait. Vu que j'ai un moteur de 2000 chevaux. 2000, je crois, je sais plus si c'est 2000 ou 5000. Parce que regardez, il démarre du premier coup en plus. 100. Hop, allez, c'est parti. Alors j'essaie un minimum de respecter déjà les limitations de vitesse sur l'autoroute, c'est bon parce que je suis à 90. Mais sur la sur les routes qui sont limitées à en ville qui sont limitées à 50, le problème c'est que le camion, je vais avoir du mal à y respecter les limitations de vitesse. Voilà, j'ai du mal à les respecter. Voilà. Là déjà, voilà. Hein. Voilà, la musique c'est parti. Voilà, c'est que en fait il y a toujours des problèmes sur les routes. Sur la RCEA, il y a beaucoup d'accidents. Bon, je vous dis tout de suite. Hein. Je peux déjà commencer. La RCEA, je vous déconseille de la prendre. Dans la vie réelle. C'est en fait c'est la route. Ça s'appelle la route transatlantique. Parce qu'elle traverse de l'Allemagne jusque dans le sud de la France. Voilà, moi je vous la déconseille de la prendre. Parce que voilà, c'est le bordel, il y a surtout beaucoup d'accidents parce qu'il y a beaucoup de camions qui roulent sur cette voie-là. Alors qu'ils ont l'autoroute juste à côté. Voilà, et parce que voilà, il y a beaucoup d'accidents parce que la, les routiers prennent beaucoup l'autoroute, cette route-là. Voilà. Parce qu'elle est gratuite. Voilà, mais moi, de toute façon, si le jour que j'ai mon permis, de toute façon, il n'y a pas question que je la prenne. Là, je vous dis tout de suite. Bon, si j'ai pas le choix, si j'ai pas le choix de la prendre, je serai bien obligé de la prendre. Putain, d'un coup, là, des coups de lag. Je sais pas pourquoi, là, d'un coup. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de morts sur cette route-là. Normalement, c'est prévu qu'il la passe en deux fois deux voies. C'est-à-dire, vous arrêtez. Ben, en fait, ça va faire comme une autoroute. Comme celle-ci. Dans le jeu. En fait, ça va faire comme ça. Parce que ça fait un moment qu'ils l'ont. Qu'ils ont ce projet-là. Mais je sais pas pourquoi ça dure. Et je commençais déjà à avoir mal aux mains. Et pourtant, ça fait qu'un quart d'heure que je roule. Ah non, je croyais que bon. Hop, bon, bien sûr, là je coupe les virages. Voilà. La 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 la.
commencer en excès de vitesse et je suis à 80 à 10. Moi j'ai pas vu de panneau limité à je sais pas combien. Hein. Pourquoi c'est moi qui est fatigué. Ouais, là par contre là 70 par contre. Il nous reste encore 7 heures avant la prochaine coupure. Là d'un coup putain là j'ai les FPS là qu'ils ont descendu d'un coup là. Parce que c'est peut-être parce que je suis en train d'uploader les vidéos du combat exceptionnel. La partie 1 et la partie 2. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, j'espère qu'il y aura une aire de repos dans le coin. Hop, voilà, je me colle à 90. Voilà, comme ça, j'accélère plus. Peut-être un peu fort là, la musique. Oh là, oh là, oh là, non, 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 non. Voilà, là ça va peut-être aller mieux. Allez, vous voyez, mettez tout le temps, oubliez. Hop, on va se rabattre. Voilà, c'est bon, impeccable. Alors, on respecte quand même la loi européenne. Hein. Faut pas. Je veux dire, dès que vous avez doublé, pour avoir abattre aussitôt. Mais par contre, faut pas emprunter la troisième voie. La troisième voie, c'est pour les voitures les plus rapides. Alors, si vous roulez à 90, les voitures, eux, roulent à 130. Si vous n'êtes pas apprenti, bien sûr. Si vous n'avez pas d'avoir votre permis. Si vous amenez d'avoir votre permis, déjà, l'autoroute est déjà limitée à 110. Les routes qui sont limitées à 100, vous êtes limité à 90. Les routes qui sont limitées à 90, vous êtes limité à 80. Et voilà. Et bon, la ville, automatiquement, vous pouvez rouler à 50. En ville. Et puis rouler à 40 en ville, ça ne va pas le faire le tour. Hein. Ça va pas le faire, je pense. Alors, lui, là, il va se manier le cul, là, d'avancer, là, devant. Hop. Alors, moi, je commence à doubler maintenant. En espérant que la voiture qui est à droite ne fasse pas le con. Qu'elle se rabatte pas juste devant. Alors, c'est bon, apparemment. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Oh, mon coco, t'as eu trop bizarre à ralentir. C'est bon, elle a ralenti. Voilà. En fait, voilà, j'ai... Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, je ne mets plus. Bref. Hop, là, je peux l'éteindre. Voilà, là, je vais me rabattre maintenant. Hop, par contre, hop, je me remets sur la voie de gauche. Tu sais, c'est là que je... Donc vous pouvez le voir. Vous avez le le GPS en haut à gauche et vous avez aussi, je l'ai en bas à droite.
Mais là, voilà, pour ça vous avez la vitesse que je, la vitesse que je roule. Voilà, vous avez tout. Alors, juste ça, il va falloir que je sorte. Ouais, j'ai commencé à freiner un peu. Je ne tiens pas à me retourner. Voilà, hop. Après, j'ai quand même des sacrés coups de lag là d'un coup. Je sais peut-être aussi que je filme avec. J'ai la webcam, les deux webcams d'un coup. Aussi avec action. Peut-être ça aussi. Bon bah là. Là vous voyez, les camions. Regardez, ils vont rouler à 40. Ah, même à 50 plutôt. Ouais non, 40. Alors qu'ils peuvent rouler plus vite là. Alors j'essaye un minimum de respecter quand même le code de la route, hein, bien sûr. Alors. Oh là, il y a encore un qui m'écrit sur Skype là, putain ça m'énerve. Ah, attendez deux secondes, je regarde vite fait sur ma tablette. Hein. Ah, apparemment, je l'ai pas sur la... le message, je l'ai pas reçu sur la tablette. Alors, attends, attendez, hop, hop, hop. Ah, c'est Chris. Attendez, hop. Attendez, je vais me mettre là. Oh là, putain. Oh là, j'ai fait 10% de dégâts. Ah mais putain. Oh là, j'ai un gros souci. J'ai même pas de message sur la tablette là. Bon, je regarderai le message plus tard sur le PC. Parce que là, je suis en vidéo. Voilà. Attendez, si on se met en du 4, est-ce que ça lag? Non, on va se mettre en route comme ça plutôt. Ah, il reste combien de kilomètres encore? Ouais, il y a pas mal encore. Pas mal de kilomètres. Hein. Encore à faire. Parce qu'en plus de ça, je crois que je viens de voir un péage là. Bon.
La 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 la. Là, il reste 4 heures encore de route avant la prochaine coupure. Hop, nous avons 2000 km déjà de fait. Et il en reste encore 3872 km. Avant de faire le plat, avant de tomber en panne d'essence. Déjà, là, au volant, le camion, c'est déjà pas facile à le conduire. Voilà. C'est pas très facile à le conduire. Alors, normalement, il devrait avoir un DLC qui va sortir pour Road Truck, encore une fois. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Et en plus, si un jour sort American Truck Simulator, je ferai une petite vidéo dessus, voir si ça vous a plu. Voilà, si un jour ça sort, bien sûr. Là, tout à l'heure, on va aussi jouer, je vais peut-être rejouer la Formule 1 2013 en classique, avec en manette, et Grid 2 en manette, bien sûr, là je comprendrai les parties, mais sauf sur la F1, je recommencerai une nouvelle partie, voilà. Parce que vu que c'est du classique, ce sera du classique et je mettrai F1 2013 de classique. Là, la carrière Euro Truck Simulator 2 sans triche en multi a pas commencé encore. Ça va commencer soit ce week-end, soit dimanche, parce qu'on est déjà samedi aujourd'hui. Voilà. Après, on verra ça ensemble. Alors là, nous sommes... tac, 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 il reste encore 4 heures. Là, nous sommes à quasiment une demi-heure de vidéo. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, voilà, on va laisser passer les voitures. Voilà, et regardez l'autre. Vous voyez, ça, j'aime pas ça. L'autre, au moment que vous voulez doubler, paf, vous avez la voiture qui sera bas au même moment. Pourquoi ça ralentit devant? Hop, voilà, on va se mettre par là, on va doubler par là. Ah d'accord, parce qu'en fait ça sera mis en deux fois deux voies et non trois fois trois voies. Voilà, normalement j'aurais pas doublé, c'est interdit de doubler. Mais voilà, vu que vous roulez à 90 et camion roule à 80, vous avez pas trop le choix de passer là. Ouais, ça bouchonne. C'est bizarre, il y a des bouchons partout. Merde, je me suis coulé trop près du camion. Ouais, là. Da 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 da
Excusez-moi, il reste 3 heures avant la prochaine coupure. Bon, en espérant que j'ai une heure de repos. Mais à mon avis, vu que je vais prendre un petit, là, il va falloir que je lève un peu le pied. Je vais regarder un truc vite fait. Carte du monde. Voilà, maintenant c'est bon, en fait j'arrive au port. Vous voyez là, j'arrive au port. Et voilà. En fait, je m'arrêterai là. Je couperai la vidéo là. Ouais, je couperai la vidéo quand je serai là. Et voilà. Et après, ça sera bon. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi, mais ça lag. C'est bizarre, quand je suis en écran principal, ça lag pas. Bizarre quand même. Bizarre ce truc-là. Avant j'avais pas des pertes comme ça, hein. Voyez, regardez là ça bugue, là ça a bugué. Qu'on arrive aux portes, de toute façon. Voilà. Oh, le petit péage là. Par contre, j'espère que je vais avoir. Oh. On va passer dedans. J'ai passé dedans. Je suis obligé de passer par là. Hein. Alors, nous arrivons au port. Putain, mais pourquoi lui il ralentit là? Putain, mais allez, avance toi! Oh là là là! Alors, peut-être aller réparer là, le camion, mais je sais pas utiliser le garage là-dessus. Là, je crois bien que j'ai grillé le feu. Mon ami doit être là au garage, je pense. Ouais, il doit être là. Juste après. En fait, faut que je tourne juste après le feu au croisement là. Parce que je vais aller faire réparer le camion. Et l'autre!
Luca. Hop, on va réparer le camion. Réparation. Ouais, après j'arrêterai quand on sera sur le port. Hein. Parce que voilà. Hein. Voilà, faudrait que j'en regarde combien de kilomètres qui restent tout à l'heure. On va déjà. Allez, hop, on va déjà mettre ça. Ça. Voilà, il reste 1093. Je crois qu'il va rester 200 ou 400 kilomètres. Si c'est là, faut que je... Putain, faut que je tombe là en plus. Hop. Bon, allez, mets ton cul toi. Voilà, hop. Oh là, ouais, d'accord. Alors là, par contre... Alors par contre, je sais que c'est pas... Déjà, je sais que c'est pas là. C'est pas là. Attendez. Je vais regarder exactement. Alors, ok, si je prends... Pas de rat, ça m'emmène là. En fait, c'est le premier coup que je prenne. Excusez-moi. Voilà, hop. Tiens, j'ai pas mis 8 là. En fait, le Brutal Environnement HD 8.1 qui est sorti. Et j'ai oublié de le mettre. Alors, il y en a combien de kilomètres? Ouais, attendez, on va avancer.
plaît, on va stopper ici la vidéo. Non, hop, non, on va la faire jusqu'au bout, vu qu'il a moins de 400 km à faire. Alors, par contre... Moi, j'ai 4 couilles. Alors, je suis obligé de mettre en... Ouais. Alors, dans la main des découvertes. Alors, par contre, là, c'est... là, ça va être casse-couille. Parce que là, on est dans le sable. Il faut que je roule doucement. Vous voyez, dès qu'on arrive là, c'est bizarre. J'ai les FPS, ils sont montés d'un coup. C'est bizarre quand même. Ah là, vous entendez le volant vibrer. Alors, là, par contre, je ralentis, mais est-ce que... Celui-là, c'est des virages serrés quand même. Alors, est-ce que... Alors, est-ce que... Alors, putain, que là, quand il s'est passé... Mais je m'en fous, ces mecs me font des appels de phare, je m'en fous complètement. Voilà. Et va te chier. Non mais je vais les éteindre quand même. Voilà. Et là, hop, on va y rallumer. Par contre... Ah, putain, je croyais que j'allais partir dans le fossé. Moi. Ah, j'ai vu que là, il n'y a pas de marquage au sol. Faut séparer les deux voies. Voilà. Ah, regarde là. Hop, putain, avant que tout elle arrive. Voilà, hop, ça on peut les éteindre. Vous voyez, dès qu'on revient en ville, ça lag. Allez comprendre quelque chose. Dès qu'on arrive dans la circulation, ça lag. Bon, je suis obligé de laisser allumer. Bah, sauf que là, la vidéo elle va durer un peu plus longtemps que prévu, je pense, parce que vu que je roule à 90. Alors là, il reste 27 heures avant l'approche temps restant avant qu'on soit en retard, mais vu qu'il nous reste un peu plus de 300 km à faire en moins de 5 heures, normalement c'est faisable. Ah merde, 30. Attendez, ça je vais les éteindre. Bon, je préfère rouler doucement que de rouler trop vite. C'est bon, on sort de la zone, je peux accélérer.
Et hop, un péage. Ouais, et hop, un péage. Mets ton dixième pour repartir. Et là, on n'est plus en ville, les FPS, et ils remontent, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, mais c'est la vie. Ok, bon. Ça ralentit le vent maintenant. Bizarre. Bon, hop, on laisse ça. Regardez, putain, mais... Regardez, il freine. Ah, je suis désolé, j'avais pas le choix de le doubler. Hein. J'ai vu qu'il freinait tous les services de toutes les 5 secondes. Là par contre... Ah ouais, tu es obligé de freiner là. J'arrivais un peu trouvé dans le virage. Oh, je sais, pour l'instant, je les laisse allumer. Si elle regarde, si je les éteins, regardez, je vois, on voit plus rien. Hop. Ouais, mais ça va éteindre, allez, c'est bon, c'est pas du tout. Mais là, dès qu'il n'y a plus de circulation... Là, nous sommes à combien de kilomètres de l'arrivée? 218. Ouais. Si encore 3 heures de route. Alors, il faut encore un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, ça fera à peu près entre 1h et 1h10 de vidéo. Je t'emmerde la bagnole. Casse-couille ça. I said I'm moving too far.
a shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want. Mais bon, pas de crainte. Voilà ce qu'il appelle que j'ai maintenant, vu qu'il commence à faire jour. Putain, moi, je peux lui dire, là où je suis, dans ma ville, à Reims, parce que vu que j'ai le... en fait, j'ai le... comment ? J'ai la météo sur mon PC, sur mon deuxième écran. Je regarde la météo. J'ai déjà 26 degrés. Alors qu'il est midi, là. Midi et demi. Alors là, vous attendez peut-être du vent dans le micro. En fait, parce que j'ai mis la... En fait, j'ai mis le ventilo en route. J'ai un petit ventilo sur pied. Qui est juste à côté, là. Mais en fait, il n'y a rien du tout, quoi. Mais après, voilà. Après, je crois que ce sera du farming. Ouais, ce sera du farming sur la carrière si oui, sans triche. Après, c'est pareil, je sais pas sur quelle vidéo je vais faire ça. Voilà. Après, je crois que ça va être du... Je vais faire du grid 2 et de la F1 2013. Comme ça pour la journée. Vous aurez quoi vous occuper à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà. Là, vu qu'on roule avec... Là, c'est en fait sur la carrière multi, sur la carrière suivie sans triche. Déjà ça sera déjà en multi, voilà, sans multi. Je sais pas si je vais prendre, je vais pas prendre le même camion que je fais avec avec la team. Ça je vais pas le prendre le même. Peut-être prendre le Scania Triple Lag. Et voilà. Par contre, je sais pas si je vais prendre faire un emprunt à la banque. Mais je ne ferai pas de prêt à la banque. Non, on ne fera pas d'emprunt. Je préfère gagner les sous à ma sueur de mon fonds. Ah par contre j'ai dû toucher quelque chose là. Ouais, on va y arriver. Hein. Ouais je vous ai dit à peu près une heure de vidéo, ouais, c'est ça. Et là nous sommes à 55 minutes. Quasiment 55.
Ah, ça fait chier que l'autre là devant il avance pas le soleil là. Hop putain, hop putain. Reste tranquille. Il reste 43 km à faire, 42 maintenant. Alors. On va essayer de ralentir, ralentir un peu. Vous voyez, regardez, c'est juste en fait d'être tout en bas. En fait, c'est d'être tout en bas, comme vous avez pu le voir sur le GPS. En fait, c'est ça qui est... c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une route droite dans la descente là. Pour aller en face. En fait, dans la montagne. Par contre, lui, là, c'est énervant. Parce que lui, il avance pas du tout là devant. Alors, tu vas avancer là mon coco. Allez, avance. Allez. Alors, par contre, lundi, vu que c'est lundi de Pentecôte, vous aurez plusieurs vidéos d'un coup. Ou je ferai peut-être un live, ça va dépendre de... Voilà. Ça va dépendre de... Si OBS marche, je sais que sur ma chaîne ça va marcher, ça c'est certain. Sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description de la vidéo de ma chaîne Twitch aussi, et de la chaîne de la team dans la description de la vidéo, et de la page aussi. Alors, j'ai oublié de descendre une tête. Alors, j'espère que je suis pas sauvé. Pourquoi lui qui était un peu à freiner là. Oh merde, il est un peu là aussi. Mais ça tombe bien, c'est là que je tourne. En plus, ça tombe, c'est juste à côté. Ouais, je vous avais dit une heure dix de vidéo. Et là, ça fait déjà 58 minutes de vidéo pour faire à peu près un peu plus de 1000 km, 1500, 1600 km. Hop, putain, là, ça va être compliqué pour se garer. Parce que là, j'ai automatiquement obligé de me mettre en vue d'eux. Oh bah ça va, il n'y a personne. Hop, prêt. Voilà, tac. Tac, vue 2. Avec la... Il n'y a personne sur le truc. Sur ma chaise, ça va... Bien. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Alors, hop. Et des premiers coups. Voilà, tolérable. Ouais, bah, je m'en doutais. Et combien de pourcent? 16. Allez, hein. C'était sûr. Voilà, je vous remercie d'avoir eu cette vidéo-là. Si vous l'aimez, mettez un petit pouce vert, ça fera toujours plaisir. Et surtout, allez faire un tour sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Et aussi, allez faire un tour sur la page Facebook que Jimmy a créé. Je sais pas si le lien est dans la description, par contre.
J'essaierai de vous le mettre dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie et on se retrouve peut-être pour un prochain épisode. À plus.